Eh bien, salut tout le monde, c'est Dark Funeral et bienvenue pour la suite de One Piece Unlimited World Raid. J'ai mis du temps à sortir la suite et oui, bien entendu, et pourquoi? Pourquoi me poserez-vous la question? Eh bien, simplement parce que il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, que ce soit en termes de live level down ou en termes de ma vie privée. Et ça m'a... Donc voilà, c'est ce qui a fait en sorte que la suite sorte dans longtemps. Et heureusement, et malheureusement pour vous, mais heureusement surtout, cet épisode est tourné en live, donc il sera disponible qu'en 720p, pas en 1080, désolé, j'ai pas encore un PC assez monstrueux. Et est-ce qu'il y a des gens dans le chat actuellement? Je regarde, oui. Bon, on s'était laissé juste après... je sais plus qui c'est on avait affronté en dernier. Oh mon dieu! J'ai oublié qu'on avait affronté en dernier. Enfin bref. Là pour le coup on a aucun indice. Ah oui, le CP9. Oh là, pouf, c'est bon. C'est bon les gars. Je me suis souvenu. On s'était laissé pour le CP9. Par contre j'ai il y a aucun indice sur notre prochain adversaire. Donc on va se diriger en terre inconnue. Et écoutez, on va reprendre de plus belle. Pour ceux qui poseraient les questions, parce que oui je le fais en live et l'avantage... C'est que je vois pas mal de questions qui se posent là actuellement sur Twitter. C'est quand est-ce que je vais reprendre Murdered Souls et Watch Dogs? Alors attendez, je répondrai juste après ça. J'aimerais vraiment beaucoup de vous avoir menti. Je voulais juste faire plaisir au boss. Tu l'aimes vraiment beaucoup, hein? Oui, plus que n'importe qui. Regardez par là, le boss vous attend à l'intérieur. Pardon, il m'attend déjà à l'intérieur du bateau quoi. Sans pression le type. Fufu, il y a des quêtes à faire. Peut-être. Ah, attendez. Le Comte Rouge. Mais qui est le Comte Rouge? En tout cas, le son, ça va, les gens. N'hésitez pas à dire. Si tout va bien. Entre le son de ma voix et le son du jeu. L'île des hommes poissons. Oh non, j'ai horreur de cet endroit, quoi. Ah, je déteste l'île des hommes poissons, quoi. Voilà, ouais, j'augmente un peu le son pour les cinématiques. Voilà. Où est ta tronche, Fufu? Ah, pas ma tronche quand c'est diffusé sur la Funeral Play. C'est réservé uniquement à ceux qui suivent le live. Haha. voilà. Donc merde. Oh putain, je déteste l'île des hommes poissons. C'est peut-être la partie qui m'a le plus saoulé dans One Piece. Enfin bref. Bref, à part, donc c'est son boss à lui qui crée des clones et même carrément des paysages. Je sais pas si c'est des paysages, c'est lui. Donc je disais, oui, alors la suite de Murder Soul, je la ferai tout seul dans mon coin. Puisque vu que je prends tellement de temps, puisqu'il y a personne qui m'est dans life pour m'aider à faire le jeu, et que tout le monde se plaint que je mets 3 plombes à trouver les secrets, donc je le ferai sous forme de montage. Donc ça, je le ferai dans mon coin tranquille quand j'en aurai envie. Puisque voilà. Et Watch Dogs, pareil. Par contre, Watch Dogs, l'avantage c'est que je peux le faire en live, donc peut-être que je pourrais le faire demain. Donc demain, pour ceux qui regardent le live, hein, pour ceux qui regardent la vidéo, ce sera aujourd'hui, ou même c'est déjà passé, hein, on sait pas. On verra, nous verram. Bon bref, putain, on a affronté des hommes poissons, c'est trop horreur de ça. Enfin, peut-être baisser encore un peu le son, il est peut-être un peu fort. Voilà, je pense que là, il est un peu mieux. Oh là là, il y a du bruit partout dans mon casque. Hop, on va faire un petit contre. Tu nous fais ton super. Bah ouais, je vous fais mon super comme vous voulez. Pareil, Punk Hazard et des hommes poissons ennuyeux. Ah bon, lui, d'accord.
Autant les dinosaures c'était assez sympa au début, mais ça a duré tellement longtemps avec le mec, il a avalé une amade de pilules et tout. Enfin, c'est devenu le chiant là. Bon, je vais apprendre Zoro là. Hop là, la tornade de la muerte. Allez, prends ta tornade toi aussi là. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Et ben voilà, nickel. Fufu Go Aki des Rois, t'en mets 250 000 KO direct. Ah bah j'aimerais bien maîtriser le Haki des Rois en effet, mais je ne crois pas que la technique soit disponible. En termes de combat, je préfère vraiment Pirate Warriors 2, même si... Franchement, de toute façon, je suis influencé déjà de base parce que j'adore les Dynasty Warriors. Mais c'est vrai que je trouve quand même les... Les Pirate Warriors un peu mieux à ce niveau-là. En termes de... En termes de combat, même de combo de ouf quoi. Et même en termes de choix de personnage. Mais celui-là, j'aime bien le fait que ce soit une histoire un peu hors série. Ça rappelle un peu les jeux Naruto qui sont d'excellente facture à ce niveau-là. Déjà, le mecha Naruto d'ailleurs, parlons-en. La prochaine démo, avez-vous pu tester la démo de Storm Revolution? Dites-le moi dans le live et si vous regardez la diffusion, dites-le moi dans les commentaires. Moi, j'ai trouvé la démo bien sympa. Personnellement. Et voilà. Fufu Biboy demande si c'est dispo pour un LOL après. Malheureusement non. Ce sera reporté plutôt à demain. Tu lui diras pour moi s'il te plaît. Et tu lui diras aussi si un bisou. Enfin bref. Hop. Voilà. Bon alors, il faut que j'aille par où? Pas par là. Il faut que j'aille par là alors. Mais je peux pas aller par là. Il faut que j'aille par là. Oh là là, je suis perdu là. Fufu, tu possèdes la Wii U? Si oui, tu comptes prendre les prochains Zelda? Moi je trouve ça, par contre, je trouve ça génial le fait de le faire en live. Comme ça, vous pouvez me poser des questions et je peux vous y répondre direct. Alors oui, je possède la Wii U. Est-ce que je compte faire les prochains Zelda? Alors non, parce que je ne suis pas fan. Pour pas dire je n'aime pas la licence Zelda. J'ai beaucoup de mal avec Zelda, j'ai du mal avec les jeux et tout. Si le héros c'est pas Link et que c'est une histoire un petit peu plus, on va dire un peu plus poussée entre guillemets, un peu plus cool. Ouais, peut-être que j'essaierai du moins d'y jouer. J'ai essayé Ocarina of Time, j'aime pas du tout Link Cartoon, enfin le HD là. Sinon j'ai pas fait des masses de Zelda, j'avais commencé à la base, vous savez, c'était vu de haut et tout, j'aimais pas du tout. Après, peut-être que c'est bien, mais je sais pas. J'ai l'impression de vraiment tourner en rond là, pour le coup. Mais sinon, ouais, non, je ne compte pas, pour l'instant c'est pas prévu que je fasse un Zelda, parce que c'est vraiment pas mon truc. Et qu'il y a des youtubeurs, justement comme Frigiel, je pense que c'est plus leur truc Zelda, à ce niveau-là. Tu veux des bisous? Ouais, moi je veux des bisous. La démo de Naruto est sur PS4, alors non, pour le moment elle était annoncée que sur PS3 et Xbox 360, donc la démo est disponible que sur PS3. Pas sur Xbox 360 et que sur le store japonais, donc il te faut un compte japonais, mon cher ami. Par contre, sur Wii U, moi j'attends beaucoup, c'est Bayonetta. Bayonetta 2. Bah attends, mais j'ai tourné en rond! Oh mon dieu! Oh mon dieu! J'ai tourné en rond! Et vous m'avez rien dit, vous m'avez laissé tourner en rond. Oh mon dieu. Vous m'avez laissé tourner en rond, les gens. Et je vais encore me faire insulter en commentaire. Il va me dire que tu tournes en rond, il me perd du temps. T'as mis 20 minutes à faire le livre. Bref, tu reviens en arrière. Ah, il y en a qui viennent me le dire, mais ah, peut-être que le problème c'est qu'il y a peut-être 20 secondes de décalage. Donc t'as compris? Bon bref. Démo dispo dans le PS Store français. Ah bah si elle est dispo dans le PlayStation Store français, c'est super cool. Parce que moi j'étais chargé en japonais comme un vieux con. Donc voilà. Pourtant c'est pas Zozo devant. Ouais, ouais, ouais. Ça va hein. J'ai un sens de l'orientation hors du commun.
Moi je suis zéro dans les jeux vidéo les gars, je le perds. C'est pour ça que les RPG pour moi ils ont une durée de vie carrément illimitée parce que je suis tellement perdu dans les jeux que quoi tout simplement. Attendez. C'est par là? Voilà, attendez, examinez. Le mot pour ce lieu a disparu. Élimine les créatures marines venimeuses et venimeuses et obtient le venimeuse. J'ai pas bien lu. Venimeuse, je pense, ça me paraît logique. Et obtient le mot. Bah écoutez, je vais obtenir le mot. Ah, attendez, il y a un petit coffre. J'ai trouvé un mot. Alors, où sont les créatures venimeuses? Putain, ne me dites pas qu'il va falloir que je me tape le grand tour de la mort. Est-ce qu'ils sont en bas au moins? C'est quoi ça? C'est un œuf. Ouh, un œuf mystère. Où sont les créatures venimeuses? Tu as Mario Kart 8? Oui, moi j'ai Mario Kart 8. Si oui, il y a que toi qui l'as, non, je pense pas être le seul à l'avoir, Mario Kart 8. Pourquoi? Tu voudrais que je fasse des lives dessus? Si oui, c'est pas un problème, hein, je peux monter la Wii U dans ma chambre. Hein. Bon les gars, au bout d'un moment, elles sont ces putains de créatures venimeuses là. Venimeuse, créature venimeuse. Non, c'est pas là. On va chercher, les gars, on va chercher. Il est... Ah, ben voilà. Bon, allez, les gars. Allez, c'est parti, les gars. Super. Et ben voilà. Easy. Faudrait faire une compète level down sur MK8. Ça pourrait être sympa. A voir, peut-être que sur la web TV, tiens pourquoi pas. D'ailleurs j'en profite à dire pour le live qu'une web TV sur level down a été ouverte. Donc il y a des streams de 18h à minuit tous les jours. Donc si vous vous faites chier, bah n'hésitez pas à aller check. Allez check dans la description, de toute façon le lien est dans la description. Level down, l'onglet web TV. Voilà, vous vous faites chier, vous savez où aller. Bon, c'est là. Bon, j'utilise la carte, hein. Je me permets. Bon, j'ai baissé peut-être un peu trop le son, mais je pense que le son c'est bon, puisque personne ne s'est plaint pour le moment. Le mur a disparu, je me demande ce qui s'est passé. Putain, mais elle vient d'arriver, elle vient de débarquer, elle. Oh putain, les hommes poissons. Bon, en tout cas, j'espère que Audi va pas être trop difficile à battre. Parce que je suis de type mauvais dans ce genre de jeu. C'est bon, les gars. Hop, un petit contre avec le haki de défense. Putain, en tout cas, lui. En tout cas, lui veut pas tomber, hein. Je sais pas ce que je vais faire avec l'algue salée. Mais bon, écoutez. Nickel le son. Enfin, de 16h à minuit, pardon, c'est de 16h à minuit! I'm sorry, c'était aujourd'hui 18h pour exception. De 16h à minuit, désolé. Putain, c'est des viewers en fait. Vous êtes plus calés que moi, quoi. C'est parce qu'en fait, mes heures, c'est vers 18h en fait. Donc c'est pour ça que j'étais complètement perdu. Alors personnellement, je fais pas mal de Left 4 Dead 2 et de Killing Floor. Donc si vous avez ces deux jeux, vous pouvez jouer avec moi. J'ai créé un groupe sur Steam et tout. N'hésitez pas à le rejoindre. Et sinon, pendant qu'on est sur One Piece, parlons anime. J'avais lancé un débat sur Fairy Tail. Dans l'épisode 3. Parlons anime, n'hésitez pas. Je me suis mis à Reborn sur le conseil d'un d'entre vous qui m'a dit ouais, Reborn, tu devrais essayer, c'est grave bien. Audi enchaîne rapidement ses attaques, faut être au taquet pour esquiver. Merci beaucoup de cette mise en garde. Dark, tu es en vidéo pour un SP sur One Piece. Ouais, en effet. Sinon, je rentre comment? Je peux rentrer un jour? Ok, d'accord, je ne peux pas. Ok, très bien, d'accord. Je me suis dit, je vais rentrer, il y aura une cinématique, j'attendais comme un vieux con. Non, apparemment, il mettait juste la vue, histoire de dire, t'as vu, c'est joli. À droite, non, je ne veux pas rentrer à la maison. Je veux tout de suite finir cette game. Enfin, à ce niveau. Je tape les bulles, hein, je me permets. Putain, il y a des bulles partout, des bulles. Tu veux des bulles? Alors là, il va y avoir des mobs. Ah, un banc! Je vais ramasser le banc en le cassant. Allez hop.
Petit bout de bois, petit bout de bois. Alors attendez, là il y a une fontaine, qu'est-ce que se passe-t-il? Ok, une aqua route, très bien. Si je vais dedans, ça fait quoi? Très bien, zone suivante. Tu penses quoi du manga No Game No Life? Alors il me manque un épisode à regarder puisque je regarde sur sur ADN. Donc j'aurai la suite que dans 4 jours. Mais j'aime beaucoup. J'ai eu pas mal de... Attendez. Le boss sera furieux. C'est vrai. Ok, très bien. Bon ben, on zappe les dialogues, hein. C'est Donc, pour répondre à la question, au début, j'ai eu un peu de mal, parce que le mec avec sa sœur, il est assez chelou, hein. Mais franchement, après le 2e, 3e épisode, j'ai beaucoup accroché et j'aime beaucoup. J'ai hâte de la suite. Voilà. Parce que je crois que dans 6 mois, il y aura la suite de la saison. Il y a SAO qui est sorti aussi de la saison 2. Pas mal, pas mal. Attendez. Ok, très bien. Là, il y a un mot. Ah bah... Sous-marin, d'accord, très bien. Donc, faut que je prenne, je pense, ce truc-là. Rebound, c'est avec le petit mafieux, là. Ouais, c'est exactement ça. Alors, je suis au début, donc j'ai un peu de mal à me faire à l'anime. Mais on m'a dit que après ça devenait super cool. Donc, j'ai dit au gars, je regarde 50 épisodes. Et si après 50, bah, j'accroche pas, bah, j'arrêterai de regarder, tout simplement. Parce que ce genre d'anime, je me mets à aller une cinquantaine d'épisodes. One Piece, je me suis mis... 150 épisodes avant de me dire avant de dire j'accroche pas. Bah ou des fois j'ai zappé hein, parce que One Piece il y a hors série. Tiens, parce qu'on est sur One Piece donc je vais en profiter pour parler de One Piece. Il y a hors série où vous savez il tombe quand les renards de je sais pas quoi. Oh putain les salauds. Bijoux d'évolution, très bien, très bien. Vous savez il y avait un petit il y avait c'était des renards et tout, ils faisaient des jeux. Et genre il y avait un hors-série comme ça où il y avait une compète entre Mugiwara et ces gens là. Et ça a duré grave longtemps et au moment où le hors-série il est, bah, il se finit, tu te dis ouais c'est bon ça va se finir et tout. Et bah non, il y a le fait qui dit ah j'ai envie de refaire une autre partie. Et hop c'est reparti pour un nouveau hors-série. Même qu'à la fin il se met en boxeur avec une coupe afro et tout, c'est n'importe quoi. Ça c'est le truc que je déteste dans les animes. Et bah j'en ai zappé hein, des hors-séries sur One Piece, hein. Putain de merde. Et Neru, ça a duré 150 ans, ça m'a saoulé aussi. Alors que Neru, j'adore le personnage, mais putain, gâché par 40 ans de bateau sur... 40 ans de bateau sur... sur un espèce de nuage à la con, avec des coquillages et tout. Fox machin chouette, Foxy. Oh là 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 là. Est-ce que ça vous a pas mis vénère quand il a dit « Ah, j'ai envie de refaire une partie !» Au début, tu fais « Ah, gros troll !» Eh ben non, c'est reparti pour 30 épisodes dans ta chatte. Oh putain. Bon, où est le coffre? Bon, Brooke, tu vas te calmer. Alors, je suis une voleuse pirate. Très bien, alors, donc je vais reprendre ma petite route. Et je vais pouvoir prendre mon petit mot. Je sais pas où je vais, mais y vais. Morale de l'histoire, la coupe afro, c'est de pouvoir, c'est trop ça. J'ai jamais regardé d'anime à part DBZ, forcément, t'as quoi à me conseiller? Le problème, c'est que 3000 épisodes par série, quoi. Bon, en fait, ça dépend ce que tu cherches, vraiment. Le problème, c'est quoi? Si tu veux te mettre dans un shonen type, entre guillemets, DBZ, c'est sûr que ça va durer, ça va te prendre énormément de temps, beaucoup d'épisodes et tout. Surtout qu'il y a plein d'animes, bah, par exemple, Naruto, pour moi, c'est un bon anime, même si ça part un peu en couille. Moi j'adore Naruto, surtout la saison 1. J'adore. Si tu cherches des animes courts, en shonen, il y a Belzebub qui est sympa. Voilà, il fait 60 épisodes. Moi je trouve bien ça. À part la fin, j'étais un peu déçu. Mais bon. Je conseille Belzebub, il y a Aono Futsumachi, connu sous le nom de Aono Exorcist ou Blue Exorcist. Qui est très sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme anime sympa? Ah, il y en a plein. Hein. One Piece. One Piece, c'est un bon anime en soi. Death Note, mais c'est pas un shonen. Mais c'est excellent. Et si t'as adoré Death Note, il y a Bakuman.
qui est très sympa, que moi j'adore personnellement. L'attaque des titans, même s'il y a des passages qui me cassent un peu les couilles dans l'attaque des titans, il est bien, mais il y a des trucs tellement chiants. Genre t'as des épisodes, ça s'enchaîne trop vite, c'est génial et tout, et t'as d'autres épisodes, c'est lent, t'as l'impression de regarder One Piece. T'as SAO, mais SAO lui ça s'enchaîne beaucoup trop vite, et il y a une deuxième partie qui ne mérite pas d'exister en fait dans l'anime. Bah attends, je suis obligé de débattre, si je vais directement dans la zone suivante, on s'en fout. Log Horizon, ouais je connais, Log Horizon, ouais, et je le conseille aussi, il est excellent. C'est un peu dans la lignée Sword Art Online un peu, mais entre guillemets quoi. D'ailleurs j'attends la saison, la suite de Log Horizon quoi, puisque 25 épisodes c'est bien, 25 épisodes c'est bien, mais il en faut plus quoi. Elfen Lied aussi, mais par contre mature, hein, je conseille vraiment uniquement à ceux vraiment qui ont plus de 18 ans, Elfen Lied, parce que bon c'est pas du cul, hein, je dirais 16 ans, mais il a pas fait long feu en France. C'est-à-dire qu'il est passé sur MCM fut un temps, mais il est pas resté longtemps parce que c'était vraiment violent. Et bah, il y a peu de personnes qui peuvent le regarder, mais vraiment, je conseille à un public mature. Elfen Lied, qui est très sympa, excellent. J'ai pleuré à la fin, je tiens à le dire. No Game No Life, tu connais? Oui, j'en ai parlé il y a une petite minute en disant que j'adorais. Il y a High School of the Dead aussi qui est bien sympa. Après pareil, manga mature, il y a High School DxD, voilà, qui est aussi super sympa. Enfin quand je dis manga mature, hein, c'est pas des hentai, hein, loin de là. C'est des ecchi. Il y a High School DxD qui est hyper sympa. Il y a aussi un truc de catch qui est assez bizarre. Enfin j'avais commencé à regarder, mais bon, c'est bof, mais voilà, il y a du cul dessin. En fait c'est une pop idol japonaise qui se lance dans le catch. Parce qu'on la défie ou je sais pas quoi pour prouver je sais plus quoi. Bref. Qui est assez sympa, qui est assez cool aussi. J'ai oublié le nom. C'est quelqu'un là. Blue Exorcist, je l'ai conseillé. Black Butler. Ah, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, Black Butler. J'avais commencé à le regarder, mais j'ai pas regardé plus que ça. Devil Survivors, animation, pareil. J'ai regardé un épisode, mais j'ai pas regardé plus que ça. À tort. Bien entendu, à tort. En même temps, il y a tellement d'animes à regarder, je peux pas tous les regarder en même temps, j'ai pas le temps entre faire les vidéos, faire les lives. J'ai à peine le temps de dormir, les gars, et de me faire à manger, m'occuper des chats, faire les courses, Bleach, ouais, GTO, Air Gear aussi est sympa. Bon, allez, c'est bon, les gars. Tu n'iras nulle part, petit PD. Ok, très bien, j'avais augmenté le son pour la cinématique. Alors, donc, esquive au taquet, esquive. Ok, ok. Allez les gars, on se met malin dans la main. Ouh, est-ce que j'ai pris les dégâts ou pas? Dans ton cul. Je crois que j'ai pas pris les dégâts. Ok, je vais au taquet pour esquiver. Je vais au taquet pour esquiver. Esquive, esquive. Oh putain de merde, j'ai pas esquivé. Oh, mais y'avait pas la proposition d'esquive. Oh putain, y'avait pas de proposition d'esquive là. Oh putain, mais j'esquive un truc, y'en a un autre qui arrive. Hop là, ça s'esquive. Bon, putain. Vas-y, j'ai changé de personnage là. Là, y'a danger. Là, c'est parti là. Hop, on se met en garde. Mais t'arrêtes d'envoyer tes potes sur moi, enculé. Hop, ça c'est fait. Oh là 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 là. On va essayer de se concentrer. Les gens, si j'ai pas le chat, je suis désolé. Ah, je regarde pas High Shield 21, mais on m'a dit que du bien de cet anime. J'ai du mal avec les animes de sport, en fait. C'est surtout ça, c'est pour ça que je suis pas encore mis à Kuroko no Basket, parce que j'ai du mal avec les animes de sport. Aïe 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 aïe. Voilà, hop, tranché. さすがだな。
Redfield! てめえか。こんなふざけた戦いを仕掛けてきやがったな。まさか赤の伯爵レッドフィールド。ロビン知ってるの？昔白ひげやゴールドロジャーと共に名を馳せた海賊の一人よ。レッドフィールド？はて俺に何の用だ。用があるのは貴様の頭の中身だ。 頭の中身？我は生まれつき見聞色が強すぎてな、騒がしいくらいに人の心の声が聞こえる。そしてこうして触れればより奥底にあるものも。先ほどのものもこの魚人島の風景も貴様らの心を歯に書き記し再現したものだ。 一体何のために？答えは単純。手に入れた道具を試しただけだ。ルーキーにしてはなかなかの修羅場をくぐってきたようだな。おかげで素晴らしいものが手に入った。ネプチューン、ビビ、ドルトン、これだけの要人が集まればかなりよからぬこともできてしまうわね。ジジイ、何を企んでやがる。 ビビちゃんをどうするつもりだ。王になるのさ。海賊の王にな。海賊王になるのは俺だ。貴様の心はまっすぐすぎる。てめえ、うりゃ。<笑> そろいも揃って期待外れだな。ここで殺しておくか。やめてくれよ、やっぱ殺す必要はねえだよ。こっちに来い、ハト。 目的を達成するには情けも甘さも捨てねばならん。これから我の歩む道は修羅の道だ。こいつがいれば十分だ。 修羅の道に貴様は必要ない。さらばだ、パト。 勝手に盛り上がったまま消えてくんじゃねえ。もう少し遊んでいけ。必要なものは手に入れ、 この島でやり残したこともある。故に貴様らと戯れる暇はない。我を追えば傷つくだけだ、体も心も。今更傷の一つや二つ増えようと、どうということはねえ。よかろう。では傷を。 Oh le FDP! まさかエースの弟と戦う羽目になるとはな。おっさんは。エースの父親代わりで俺の恩人だ。
できることなら戦いたくねえ。戦わなきゃ死ぬだけだ。その程度なのか。エースが命を投げ打って助けた男の覚悟は。今のは忘れてくれ。全力でぶっ飛ばす。そうこなきゃな。まとめてかかってこい。 What the fuck, mais c'était pas prévu que j'affronte Barbe Blanche, les gars. Ah, what the fuck. J'ai mal, popo. En plus, il est grand. Regardez ça, la taille qu'il a. Oh là 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 là. J'étais concentré sur la cinématique. Putain, Redfield de bâtard, il a fait un double de bateau. Holy shit, motherfucker! Ow! Laisse-moi construire mon truc! Hop! Je vais lui tirer dessus, moi. Oh oh. Tiens, prends ça! Mais ça fait pas de dégâts, c'est trop pourri! Oh putain de merde. Oh putain, c'était pas prévu que j'affronte Barbe Blanche, putain de merde. Allez, 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 allez. Oh putain. Faut que lui mette tarif là. On est chaud, les gars. Bien que ça serve à rien, il nous a mis tarif. Allez, c'est bon. Oh putain, c'est pas possible. Oh. Faut vraiment qu'on l'attaque sur différents fronts. Hein. C'est bon, on l'a mis à terre, les gars. Maintenant, maintenant, maintenant. Attends, je crois que je vais remplacer Frankie par Brooke. Parce que Frankie, je trouve qu'il est un peu useless. Oh. Mais comment je peux esquiver ça, les gars? Là, je recule, là, je recule, là, je recule. Qui va faire son encore un truc au corps à corps là. Voilà. Je crois qu'il a fait son truc. Je m'enfuis. Désolé. Je m'enfuis. Red Hawk. Je vais utiliser un objet. Hop. Et les gars, c'est le rush final là! Oui! Tsuyoku natta janeka. Arigato, Shirohige no san. Moratta inochi wa muda ni shine. Ore tachi ga ima made atte kita yatsura mo. Konna fuu ni suki katte riyou sareru tte koto da yo na. Yurusemasen ne. マチへ向かったみてえだな。あと追うぞ。おいらは。なあ、おいらはこれからどうしたらいいんだ。お前はどうしてんだ。え、おい、待ってくれよ。あお、スーパー。ではわら。 Oh, Usopp, le perso que je prendrai jamais de ma vie. Jamais.
Ouvre jamais dans ma team, jamais, never, à moins qu'on me l'impose, je ne le jouerai. Oh, ça vous oublie qu'il y avait un to be continué de violent là qui m'agressait le visage là. Sauvegarder, bien sûr que je vais sauvegarder. Bien sûr. Épisode 4, over. Et ben voilà, sauvegarde terminée. On est bon. On est très bon. Alors... T'as décidé de nous suivre, hein? Oh là, oh là, il se fâche là. Oh, on a déjà assez d'une mascotte. Oh, fais pas chier avec ta ville de merde là. Bla 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 bla. Est-ce que je peux développer quelque chose? Non, je ne peux rien développer du tout, hein. Je ne peux rien faire, j'ai pas assez de matériaux, pas assez de matériaux, pas assez de matériaux. Allez, salut! Tenue, est-ce que j'ai une tenue spéciale pour Brooke? Je préfère sans lunettes. Non, je vais pas te parler. Voilà. Ne m'embête pas. Alors, comment je change ma team? Alors, mode aptitude, je vais équiper un mot à Brooke. Ah bah je peux pas. Et mode objet je peux. Je ne peux pas. Je ne peux pas, j'ai rien pour Brooke. Ah là là. Bon. Ah. Fou. Bon. Bon bah en tout cas, les gens, ça va finir à le play. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un petit commentaire. Et pour ceux qui se trouvent sur le live actuellement, ne quittez pas, je reviens dans 5 minutes. Restez branchés. Je vous dis à tout de suite tout le monde pour la suite des aventures de Mugiwara no Luffy. Pour la peine, je bouge pas. Attends, c'est quoi ce truc là? Je crois que je pouvais l'attraper. On se retrouve pile poil ici pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao.